La patience, les gens. Je suis en train de lire tranquillement. On attend que le jeu ait fini de générer la map. C'est une heure pour streamer, ça? C'est pas sérieux. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Hein? Tu crois que c'est du respect? Alors, me revoilà assez vite. GG Greturianos. Bob, change le nom du stream, s'il te plaît. Je l'ai fait, normalement. Via OBS, mais si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Bon, par contre, il a pris son temps pour faire le terrain, il a pris son temps pour faire les villes, là il fait son temps pour les points de contrées sauvages. Alors ça génère une map qui est gigantesque et on est en ultra HD du cul, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps. C'est pas juste un chargement, c'est une génération de map et c'est vachement lourd dans ce jeu. Un peu de patience, hein, c'est sacré, sacré. Je rappelle, pour qu'un jeu de TO7 charge, c'était 24 minutes. Hein. Si vous ne savez pas ce qu'est le TO7, bah, allez sur Google.
Le TO7, et ben Paria Game, c'est la lettre T, le O de ton clavier et le chiffre 7. Donc TO7. Et c'est une très 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 vieille console de jeu qui marchait avec des cassettes audio. La cassette audio était l'équivalent de la disquette de l'époque. Donc il fallait que ton baladeur, qui est aussi ta console, lise la cassette afin de voir les données qu'il y avait dessus et générer un jeu qui était coltiné à ça. Donc c'est long. Hein. Genre des cassettes de baladeur ? Oui, tout à fait, Alex Gaming. Des cassettes de baladeur. Mais regardez, un TO7, il doit bien en avoir un sur YouTube qui vous montre comment ça fonctionne. Avec, à l'époque, le jeu qui s'appelait Raconte-moi une histoire et qui te permet de remplir des cases pré-écrites pour qu'ensuite ça t'imprime une histoire. Donc l'équivalent de High Dungeon pour l'époque, mais nul. Et moi, j'avais écrit « Qui est votre héros ?» J'avais écrit « Une femme » et le truc m'avait sorti « Il était une fois une femme dont la femme était enceinte. » Donc, on était en 94. Ça va très vite. Hein. C'est allé très vite. Donc vous êtes là, progressisme, Twitter. Moi j'étais dans le futur. Ouh bah quand même. Après un quart d'heure de chargement. Hein. Fou. Ouais, je sais, ouais. Je sais. Alors, y a rien. Très bien. Où suis-je? Bon, moi, je suis dans un terrain qui est à peu près correct. Ça, c'est la bonne nouvelle. Du papier, c'est de la merde. Péléa! Voilà, très bien. Ensuite, il me faut des cailloux. Des cailloux. Là, une cailloux. Là, il y a un nid d'oiseau. Somme toute, c'est très très bien. Ça prendra trop de temps de le péter à la main. Voilà, très bien. Un peu de fibre. Un tas de merde, le même tas de merde. Pas de cailloux pour l'instant. Pas de cailloux, pas d'endurance. C'est ce qu'on appelle dans mon pays la zermie. Alors, sans paniquer, il nous faut une hache en pierre. Et pour ça, il nous faut un deuxième caillou. Ce qui est somme toute la difficulté. Un lapin. Petite pierre, Dieu merci. Enfin, avec ça... Voilà, ça y est. Alors, il faut savoir que j'ai mis 300% des dégâts des blocs. Parce que ça me gave de passer 30 ans à taper sur un truc. Donc, vous me pardonnerez. Voilà, très bien.
c'est Léa. Très bien. Voilà. Enfin, très bien. Bon, on a des ressources de base. Un peu de bois, tissu, des choses. On a de quoi faire des tas de choses et avancer. Mais pour ça, d'abord, il faut que l'on se progresse. Une seconde. Option. Vidéo. Merci. Voilà, très bien, beaucoup mieux. Alors, où suis-je? Je suis là, et idéalement, il faudrait que je suive cette route principale. Peut-être dans l'espoir de trouver des choses. Et éventuellement, est-ce que je peux faire une lance en pierre? Qui certes n'est pas grand-chose. Fabriquer deux. Ça, on va l'abandonner. Ça, on va le recycler. La torche, on la garde. Ça, on le garde là. Et ça, ça va dans le stock. Très bien. Nouvelle entrée du journal, dysenterie. Et ben voilà qui est joyeux. La poudre à canon et un vieux sandwich moisix du cul, qu'on va ignorer pour l'instant. Récupérons ce caillux. Ça, c'est un pneu. Là, il y a un lapinx. Péléa! Attends, je crois que ouais, c'est malheureusement. Voilà, très bien. Très bien, ça ne donnera rien. Pas de zombies pour l'instant, ce qui est la bonne nouvelle. Parce que, soyons sincères, on n'a pas du tout les armes pour faire face. J'ai deux lances, mais perso, j'ai zéro foi en ma capacité d'affronter et de vaincre un zombax en ce moment. Du fil et du couture, très bien ça. J'ai pas mal de bois, pas mal de pierres. Pas assez à mon humble avis, mais bon. Je récupère encore plus de bois, hein, c'est essentiel. Et je ferai la quête principale quand ce sera la nuit. Ça m'occupera. Cet objet a besoin de réparation, vite. Voilà. Je voudrais te faire un surin en os, j'ai pas assez d'os. Mais sinon, oui. Une tatouée 6V, j'avoue. Avec un C, 6V. Hein. Mais oui. Je récupère masse caillou dès le début. Premier zombard, bonjour. Très bien. Deuxième zombard. Vamos a pelear. Pelea. No me toques. Eh bon. Oh, c'est du charbon, ça, c'est très très bien. Très bien. Je dirais qu'il y a davantage de minerais là-dessous. Oh, petite faille de minerais. On peut pas loot les zombies. C'est plus possible dans Seven Days to Die. Ou je peux peut-être. Tu vois, regarde, le cadavre a disparu. C'est les zombies maintenant. S'il lâche des items, ça se voit. Il a la tête de Ron Weasley. Voilà, ça y est.
Ok, et là, il y a un petit village. Très bien. Eh ben, allons-y. C'est là que nous allons nous planquer pour la nuit. Pourquoi j'ai deux lances? Pour pouvoir en jeter une à la tête d'un ennemi si jamais. C'est la panique. De l'huile de moteur. Très mauvaise solution. Un caillou d'acier. C'est pas mal, ça. C'est comme qui dirait moins cher que gratuit. Ah bien, ça. Ça, c'est un caillou normal. C'est un caillou normal, très bien. Je prends pas de coton pour l'instant, je sais pas le gérer. Quoique on pourrait, mais... Cet objet a besoin de réparation. Level up. Tant que j'ai pas atteint le niveau 6, les intempéries ne m'interrompent pas. C'est-à-dire je prends pas froid, je prends pas chaud, tout va bien. Pas bien. Sans doute pas. Ah, il m'a entendu. C'est pour ça qu'il vient. Donc on va s'en débarrasser maintenant. Voilà. Comme vous avez pu le voir, la lance est restée dans son torse et c'est pour ça qu'il a fallu que je la récupère derrière. Voilà. Alors, un bâtiment qui pourrait me servir de base. Ici, ça m'a l'air sympatoche, hein. Ici, ça a l'air sympatoche. Let's get une crimerie. En plus, si j'arrive à isoler... Genre, si j'arrive à isoler un étage, là... Ça pourrait être assez safe, ici, hein. Pourrait être assez safe. Parce que ce bâtiment, il a l'air solide du cul, tu vois. C'est pas ouf, ça, Bob. T'es sûr? Les murs sont pas résistants. Ouais, mais on est à la première journée, donc calme-toi. Calme-toi. On va pas non plus construire une bambouseraie. Dès la première seconde du jeu. Ah, ce gros zombard, par contre, va venir. J'ai peur de tomber sur des chiens, cependant. Le loup, ce serait joué de malchance quand même. Je vise la tête. Hein. Eh ben, il est mort. Pouf! C'est pas ouf, mais moi je dis qu'avec une petite échelle, tout ceci peut être adapté, somme toute, assez vite, non? Ça se trouve en haut, par contre, c'est super risqué en fait. En plus, tu dis que c'est pas résistant, mais. Ouais, non, t'as craqué, c'est ultra résistant ça. On est bien, on est bien, on est bien. Échelle. J'en veux une vingtaine. Voilà. Alors, par contre.
Ah. Pas plus haut. Je suis persuadé que ça se faisait. Apparemment ça se fait. Apparemment ça se fait pas. Ah. Une chose est sûre, c'est qu'en haut de ça, ça va être la bite à Jackie. Tu peux être sûr qu'il va y avoir 10 000 zombax. Hein. Que disais-je? Par contre, c'est la folie. Hein. De baiser la grosse Janine. À court d'endurance. Ah. Bon, bah dans ce cas-là, on panique pas. Hein. On reste frais. Elle veut pas. Ah ouais, ça. Quand même. Et d'une. Et de deux. Eh ben putain. Et là, en dessous, il y a un étage, mais c'est un peu dangereux pour moi de m'y envisager pour l'instant. Et là, il y a une échelle. Ce qui, somme toute, est aussi un danger pour mon cux. Mais c'est brave. Ok, ça a l'air indestructible. Shotgun Messia, une caisse fermée. Crayon. Des pièces d'arc, d'arbalète, de robotique, d'armes de poing et des pièces de lance-roquettes. Rien de valeur, malheureusement, pour moi pour l'instant. Du café et de la bière, pourquoi pas. Un sac d'armes intact. Des carreaux d'arbalète en fer et une massue en bois. Faible qualité. Quant à ça, on va les recycler. Je gagne un peu de fer. Un peu de tissu surtout. Très bien. De la viande, de l'eau et du thé rouge. Pourquoi pas. Is good shit, comme on dit dans le PX. Ça par exemple, vous voyez, ça c'est la bite. Pas assez de flèches, ça, mais bon. Oh, tiens, en plus. Ouh, Péléa! Elle est morte direct. Hein. Vamos!
Pourquoi tu as peur des échelles? Les zombies savent les monter? Absolument. Et en fait, les zombies peuvent sauter d'une case en l'air. Donc si jamais tu vois l'échelle que je suis en train de péter, elle va se casser, ce sera pas suffisant. Ils peuvent monter quand même. Donc il faut péter l'échelle au-dessus aussi. Il faut toujours laisser deux cases. Allez, j'ai cassé la peinture, putain. Et là, je suis en mode 300% de dégâts. Hein. Eh ben, première échelle. Donc si je pète ça, après, je suis safe, là. C'est ça, en fait, l'idée. Ah ouais, résistant, courage. Hein. Ouais, il vaut mieux le péter tout de suite, hein, parce que sinon, ça va nous causer des soucis, comme on dit dans le métier. Et tu récoltes même pas la ferraille? Si, si, en bas à droite, plus 6, tu vois. Pas beaucoup, hein, mais juste un peu. Voilà, enfin. Vu que l'échelle était au-dessus du vide, elle risquait de pas trop poser problème. Ouais, mais là, tu vois, il y a un bord. Enfin, je n'étais pas confiant. Et maintenant que ça c'est fait, tu vois, ils peuvent pas l'atteindre, mais moi si je saute, je peux. Et là, il me faut des échelles du coup. Voilà. Voilà. Ce qui fait que ça, tu vois, je crains plus. Là, je crains pas. Les seuls monstres que je crains actuellement, ce sont ce qu'on appelle les araignées, c'est-à-dire c'est des zombies qui escaladent les murs. Mais à cet état du jeu, il n'y en aura jamais. On n'y est clairement pas. Donc ici, je pourrais passer une première nuit, somme toute, assez sécurisée et sécurisante. Voilà. Voilà. Et je pourrais même en faire une base de cet endroit. Et ça, c'est cool. Avec éventuellement un petit coffre en plus, histoire de se mettre bien, tu vois. Histoire de se mettre bien. Recycler. Ok. Comment on le fait pour le tourner? Je sais pas comment on fait pour le faire pour le tourner. Il veut pas, très bien. Ah, clic gauche. Très bien. Ok. Du coup, je peux y poser ça, 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 ça sert à rien, donc ça ira cramer. Ça, 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 je le garde. Et enfin, ça, je le bois. Voilà, qu'on se mette bien. Et ça, je le mets. Et ça, je le mets. Ce qui fait que maintenant, j'ai un inventaire qui est vide et propre. Ah! On peut trier! Divin! Grosse update. Hein. Du coup, voilà. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux en faire pour l'instant. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Ensuite... Voilà, ça c'est juste pour m'assurer que il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Pas d'embrouille. Pas d'embrouille, voilà. Et comme j'ai deux points de sortie,
Moi, je me sens sécurisé dans mes opinions, si tu veux. Très bien. Oui, je ferai la main quest la nuit, les enfants. Zéro panique. Nous sommes prévus. Alors, accessoirement, par contre, le bloc en toile... Foin. Botte de foin. Il va me falloir plus de fibres végétales que ça, du coup. C'est marrant, ça. Voilà. Là. De mémoire, la botte de foin, quelle que soit la hauteur à laquelle tu tombes dessus, ça ne te tue pas. Ok, ça, ça marche. Donc, j'ignore à quel point ce sera viable. On pourra le tester. Ça, c'est quoi, ça? Une masse en bois. Bon, je la détransforme. Je préfère amplement... Il est déjà 18h. Pouah. Dans ce cas-là, on va vite explorer cette baraque. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de la fibre végétale à l'infini. Gratuit. Quelle chance. Très bien. Ah ah, bonjour. Pas mort. Voilà. Chose à l'étage. Ça, c'est du caillou, c'est gratuit. Moins cher que gratos. Oh shit. Ça touche. Ouh. Petite frayeur. Des bottes de foin gratuites. Gratos, mon gars. T'as de déchets dedans du tissu, je le prends. Là, il y a du Yann Boix. Et là-haut, il y a des outils de ouf. Zombie Randy Savage. Oui, j'avoue. Tant que j'ai pas d'armes, hein, de toute façon, on sera dans l'insécurité. L'insécurité, un sujet pour les Français. Du miel. Des graines de myrtille. Je vais prendre le miel. La caisse. Un hache en pierre qui est meilleur que la mienne. Des trucs de réparation. Une pince de câblage. La même chose, très bien. De l'essence, c'est bien, c'est du.
Bard Salvage. C'est... Là, il y a un zombard. Tant pis. On va pas claquer toutes nos flèches sur cet enfant de catin. Il me reste un truc comme 2 heures avant la fin de la journée. Ça d'accord, c'est de la merde en boîte. C'est du bois en ordure. C'est pas cher. Il est saloperie au-dessus. Et la nuit tombe. Nous prenons, comme nous appellerons ça, des risques. Prends tout. De toute façon, prends tout, on est au début. Prends tout, tu feras le tri après. Tes ressorts. Casse-toi, ils vont courir. Pas encore. Là, il y a une décharge. Tout ceci a l'air gratuit, mais tant que j'ai pas d'armes... Ah, il m'a vu, donc c'est pour ça que... Ouh, Péléa! Vamos! Et quelques flèches seulement, mais seulement quelques flèches. Je cherche activement des nids. Des nids d'oiseaux. Des bandages de boxe en cuir et de l'eau. Et ça par contre, ça n'a que trop de valeur. Vous êtes mouillé, bah oui. Ah putain. Oui, Pupus. I'm taking your trash. Ah pardon, merci Pupus. Petite crise cardiaque de la femme qui ouvre la porte. That's 100% your fault. Ah non mais c'est pas de ta faute. La trash. Elle me juge. Au secours. Je suis jugé. Non. J'ai été jugé, brave Jean. Ça m'apprendra à laisser traîner du merdier dans mon bureau. I love you, thank you very much. Tout va bien. Un autre nid d'oiseaux. Le plus possible, hein, je rappelle. Hein, parce que... Aha. Je les pète derrière parce que ça rapporte un peu plus de plumes. Je pense pas éternellement moisir ici non plus. Un œuf. Qui vole un œuf? Vole Brigitte Macron. Quel est ce caillou? C'est un caillou normal ça? Ouais, c'est un caillou normal. Prends le caillou. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il est 35, donc on va se rentrer. Avant que la situation ne dégénère. T'es un résistant. Rien d'autre ni personne. Somme toute, une première journée assez calme. Et je nous en félicite, braves gens. Sans ça, ça aurait pu déborder assez vite. Le lapin!
Tout ceci est somme toute... Putain, je peux pas monter. Je peux pas monter. Si, c'est bon. D'où il sort ? Alors j'ignore d'où il sort, mais ça génère en moi énormément d'inquiétude, brave Jean. Je dois l'avouer. C'est bon. On est safe. A priori, on est safe. Créons le fameux sac de coussage et faisons le tutoriel que le jeu essaie de nous offrir. A mon avis, ça devrait aller assez vite. Recycle. Recycle. Mets dedans. Mets dedans. Garde. Prends la Siex. Prends le charbonx. Prends la viande. Prends le thé, prends les os, range-le. Et parmi tout ça, range aussi. Voilà, le minéral, on la garde. Ça, on le garde aussi. Je sais pas ce que ça vaut. Ça, c'est quoi? C'est de la bière, donc on s'en fout. Du café, on s'en fout. La conserve de chili con carne, ça, c'est garanti. Très bien. Alors, faisons ensuite, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Placer le sac de couchage. Très bien. Très bien, madame le juge. Par là. Et ben voilà. Fabriquer hache de pierre. Bon ben. Voilà. Que je tout de suite défabrique. Et ça je répare. Ça aussi je répare. Ça je répare. Ça je répare. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Des fringues en fibre végétale. Allons-y. Du matos sans fibre végétale. Voilà, je m'équipe. J'ai une tête de con. J'ai pas fait une chemise en fibre végétale. Si, c'est bon. Voilà. J'ai ridicule, mais c'est parfait. J'ai des gants qui font des dégâts de mêlée. Ce sont des gants de boxe. Je les mets. Ah, c'est une arme. Ah, c'est pour mettre des gifles. Ah non, mais attends. C'est mort. Ok, très bien. Fabriquer une massue en bois. La massue en bois, c'est de la merde. Préférez-lui toujours la lance, hein, les enfants. La lance, ça a une grosse distance. Fabriquer arc primitif et flèche primitive. Faisons-le. Faisons-lui plaisir. Voilà. Très bien. Fabriquer structure en bois, placée et améliorée. Alors, je sais pas par contre comment on change la forme de la structure en bois. Si vous le savez, n'hésitez pas, hein. Voilà, très bien. Tu peux surtout lancer la lance et la récupérer à chaque fois. Laisse appuyer sur R. Oh, d'accord, merci beaucoup. Un feu de camp, voilà, c'est ce que je voulais faire. T'as montré de quoi t'es capable, blablabla, très bien. Le marchand, on s'en bat les couilles. On a des points. On va mettre des points. Points disponibles, 7. Très bien. Alors déjà, je veux apprendre mule pour porter plus de merdier. Voilà, ça y est pas à chier. Et pour apprendre le level suivant, il faut force niveau 2. Je prends force niveau 2 et je prends mule. Voilà. Et ça améliore déjà grave mon inventaire. Faut pas déconner. Ensuite, maître du javelot, c'est pas si mal. Mais ce sera obsolète assez vite. Chanceux, chasseur très, opération de récupération, non. Ruelle vers l'or, c'est bien. Améliore la vitesse à laquelle vos outils cassent la roche et abattent les arbres. Et ça, c'est pour récupérer plus de ressources de tous les objets à partir du terrain. Les minerais, les pierres, tout le reste. Et ça, c'est la vitesse à laquelle tu pètes des choses.
la masse. Permet de faire des attaques plus fortes avec la masse et débloque la fabrication de masse en fer. Pour l'instant, c'est bien, mais j'en ai pas besoin. Maître cuisinier, le fait de débloquer le level 1 permet de faire de la viande grillée, de la viande bouillie et tout ceci. Donc il faut le faire, c'est absolument essentiel. Pour le soin, capacité régénératrice, c'est bien. Métabolisme d'acier, c'est bien aussi. Et le cardio, voilà, ça permet de courir plus loin, plus vite. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Pistolero, courir et tirer, délire de coup, parcours, frappe disquette en fond de l'ombre. J'ai pas grand chose à mettre là-dedans. Ingénierie avancée, c'est bien de l'acheter dès le début. Il me reste 3 points. On va mettre tout de suite. Capacité régénératrice, c'est bien, mais ventre fragile. Les chances dysenterie sont réduites de 1% à 5%. Les blessures graves se soignent un peu plus vite et vous rend un point de santé toutes les 90 secondes. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est bien. Et enfin, on me dit bombe sexuelle, c'est OP. Réduit de 8% la consommation d'endurance avec les outils attaques de mêlée et 15% pour les attaques puissantes. Ça a l'air très bien, effectivement. Il me reste un point que je vais garder. Voilà. Éventuellement un point à mettre dans les arcs et dans tout le reste. Je vais claquer l'essence parce que pour l'instant je m'en bats les couilles. Et grâce à ça, je peux faire de la viande brûlée qui malheureusement a de grandes chances de me filer la chiasse. Un peu risqué à mon humble avis, mais on va le faire. En vérité, j'avais pas besoin de ça. En vérité, j'en avais pas besoin. Donc, quoique. Voilà. Eh bon, j'ai pas l'air d'avoir chopé la chiasse. Pose le charbon, pose le tissu, pose le plomb, pose la chair, ça transforme-le en acier, l'œuf, on le pose, la viande pareil, les os, je vais faire un truc, attends, miel ça fait quoi? Ça nourrit, ça donne, ça guérit une infection et ça, digestion efficace et régénération d'endurance et ça donne de l'eau. Et bien je vais garder ça à la place de la flotte normale qui peut me donner la dysenterie. Je pose ça, ça c'est toujours essentiel de l'avoir sur soi, ça on va le placer au trouble. J'ai pas moyen de... Oh oui, voilà. Très bien ça. Ça va prendre un certain temps, mais c'est selon moi essentiel. Quant à ça, composition, on peut faire un couteau en os que l'on va faire tout de suite. Et ensuite poser les os. Et quant à la torche, je préfère la garder. C'est toujours bien d'avoir une torche sur soi. En vrai, si jamais t'as pas de torche et t'es dans la galère du cul. Tu peux te mettre dans une merde noire assez vite. Masse de flèches de pierre qui prendra une minute à faire. Voilà, ça va prendre du temps, mais on a plein de temps devant nous. L'eau est prête, du coup, coupons ça. Oups. Voilà. Voilà. Si j'éteins le feu, c'est pour éviter d'attirer les zombarks. Dysenterie 0%, régénération d'endurance 15%. C'est très très bien ça. Ça me garde hydraté. Hydratation, c'est important. Ok. Du coup, est-ce que je vais mettre avantage de la fouille? Chanceux. T'as plus de chances de trouver des butins. 5% de butins, 10% au bonus de butin, 15%, 20%, 25% au bonus de butin. Chasseur de trésors, tous les 7 blocs creusés. Ah. Il est creusé jusqu'à 10 blocs à chaque fois. C'est cool ça. Et opération récupération, plus de choses de récupérer. Ah, ça c'est pour les clés à molette, très bien. Et ça c'est pour les serrures, ok. Dans ce cas-là, moi ce que je veux c'est ruer vers l'or. Voilà, ça augmente les dégâts de bloc de l'âge de 30%. Voilà. C'est assez. C'est assez fumé. Assez fumax, mais c'est mon opinion.
pas les empiler malheureusement. Ça y est, ça monte. Enfin. Et on pourra caler les bottes de foin en bas, j'ai oublié de le faire. Ce bandage médical, on a posé notre lit. J'ai foi que nous n'en aurons pas besoin. Alors du coup, qu'est-ce qu'on devrait faire à votre avis? Est-ce qu'on devrait vider le bâtiment dans lequel on se trouve d'abord? Ou demain, tenter d'explorer la ferme, les kebabs et les bâtiments qui sont autour là? Parce qu'il y a la fameuse quête du marchand, mais soyons sincères, on s'en bat un peu les couilles. Hein. Ouais, tout à fait. Bloc de revendication pour éviter le repop sur le toit. Je crois que je l'ai jeté dès le début. Je sais pas si on peut en refaire un. Bon. Loot ces armureries, Bob, explore. Ça sert à rien parce que dans les premiers jours, tout ce que tu trouves dans les armureries, c'est pas des armes en fait. C'est de la merde. Le marchand si pour les quêtes. Ah bon? J'ai un couteau. Je suis prêt à pêler à... Ah. Eh, hey, ça protège sec, hein. Ça protège sec, hein. C'est pas pour me déplaire. Hein. Si c'est vraiment l'effet que ça... Je vais mettre là. Hein. Si c'est vraiment l'effet que ça... A savoir que j'ai pas de multijoueur dans ce jeu. Ça n'apparaît pas. Mais si, les caisses de shotgun Messia, Bob. Oui, mais au premier jour, tu vas trouver un tromblon dedans, au top. Donc c'est pas non plus sexy. C'est pas non plus la sexualité, tu vois. Ok. Bon, ça, c'est revendiqué. Et c'est le jour. Ok. Vamos a pelea. Ouh. Ouh, confortable. Comfy. Trop ça. Non, ça passe. Hé hey. Alors, on va faire une splash zone quand même. Voilà, pour éviter les accidents. Mais voilà quoi. Ok, très bien. Donc là, il y a une benne dedans, il y a de l'huile, de moteur, on va tout prendre. De toute façon, on prend tout. Hein. On réfléchit pas, on prend tout. J'entends et je vois un zombard là-bas de très loin. Barre qui tape des choses. Ah bah voilà. Ouh. Ouh. Tout ce que j'ai envie de lui dire, c'est listo. Très bien. Alors, Petit. Si. Merde, il m'a vu l'autre aussi. Chier.
d'un. Et de deux. Ouh. D'accord, il ne donne rien. Ok. Très bien. Ah, et la lance, c'est pas le must, hein, mais écoute, hein. On fait avec ce qu'on a. Hein. Hey, bien ça. Pas bien ça, on pourra le reconvertir. On peut toujours le reconvertir. Ça, ça donne de la pierre graniteuse. Et c'est pas mal pour pas mal de choses. Très bien ça. Ce qu'il me faudrait en vérité, c'est une pioche, mais bon. Voilà. Pour l'instant, c'est des déchets simples, on n'a rien trouvé de valeur. Hein. Je vous rassure. C'est des trucs que j'hésiterai pas à jeter. Un établi détruit. Quel dommage. Avec une pelle. Dommage. Si j'avais une clé à molette, j'aurais pu le démonter. Des munitions, une massue en bois et des carreaux d'arbalète en fer. Carreaux d'arbalète en fer, c'est des flèches. Enfin, c'est du fer, donc on le démonte. Ça, on le jette. Ça, on le reconvertit. Ça, on garde et puis voilà, tout va bien. Ça, on le détruit pas, parce que si j'ai une clé à molette, je pourrais le démonter et gagner masse de ressources. Notamment utile pour créer un autre établi qui est somme toute assez coûteux. Et là, ça monte jusqu'en haut. Ok, très bien. Je sais pas où, mais j'ai l'impression qu'on n'y voit pas grand-chose. Hein. Je m'excuse. Pour l'instant, je sécurise encore le rez-de-chaussée. Qui est pas vraiment sécurisé, mais bon. Pas l'air d'avoir grand chose. Et là, il y a l'air d'avoir accès à l'étage au-dessus. Et quant à ça, ça a l'air d'être un passage mystique, un peu secret du fion. Donc allons-y. Où ça? Ah, 1, 2, 3, 4 en plus, beaucoup. Hein. Bon, ça va être difficile de le gérer correctement. Voilà, les voilà. Oups, on recule. Il faut que je touche par contre. Il faut que je touche, sinon ça va pas se passer. Ah putain de merde. Ok, là. Il est pas mort, mais... J'ai comme qui dirait l'avantage. Et d'un. Il est pas mort. Il fait semblant, madame le juge. À court d'endurance. Aïe. Raté. Ce n'est que plus drôle quand on rate ses attaques, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ouh. Bah vivement que j'ai une massue. Toutes ces portes sont verrouillées, je peux péter les passages bien sûr, mais mais là, comme vous pouvez le voir, ça rend. Bat contre quelque chose. Moi je laisse faire. Écoute si ça les amuse.
quoi ils se battent là? J'ai l'impression qu'ils tatanent la bouse qui est là. Hein. Donc quelque part, je suis pas inquiet. Je rappelle, pour me simplifier la vie, parce que je joue ça pour me détendre, je rappelle, j'ai fait en sorte que si jamais je meurs, je repop avec tous mes items. Juste, je meurs. C'est punitif et nof. On n'est pas là pour souffrir. Oh. Ah d'accord, c'est le silo de la, de ta vie en fait. D'accord. Pas de zombies à l'intérieur, excusez-moi. Tout va bien. Ok. Aha. Je vérifie qu'il n'y a rien qui vienne vers moi. Au-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de localisation spatiale au bas dans ce jeu en termes de son. Donc ils peuvent être partout. Ils peuvent être en dessous comme au-dessus. On ne saura jamais. D'accord, et ça mène là. Good news, everyone. Ça, c'est ouvert avec ce passage qui est somme toute. Maigre lait, mais il faut avoir foi. Un évier intact. Dedans, une clé à molette. Oui, 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 oui. Je peux pas bien fouiller plus, mais... Du terreau. Le terroir. On me prend le terroir. Ce jeu est spoopy, hein. Ben bien sûr. Ah, il y avait une porte derrière. Intéressant. Là, ça sent le zombax quand même. Non, pas de zombie max. Pas de zombie max. Pas de fumisterie. Oui. Très bien. Je crois pas que je t'ai pas vu. Vamos a pelea! Oups. Vamos a pelea! Bon, d'accord. Vamos a pelea! Ça tue. Chier. Il y a un autre. Pleine tête. Très belle action de Jean-Michel La Flèche. Ok, fouillons l'endroit. Un stand de médicaments avec de la fleur de gerbera pour le vent de teinture rose. Ceci, tout ceci ne sert à rien, mais bon. Je peux prendre ça, hein, on sait jamais. Teinture rose, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Pourquoi j'ai pas équipé ça? Merci. Bois l'eau. Bois. On se met frais. Lévier, fouille l'évier. Ouh, le pot! Petit cooking pot gratuit. Fontaine à eau. Rien du tout. Notre évier. Comment fabriquer des spores de champignons? Eh bien, soit. Truc et médicaments. Poudre à canon. Armoire.
Des pots pour l'eau, très bien. Du plomb. Médicaments moyens. De l'alcool de grain, mais... d'une utilité qu'on qualifiera de dubieuse au mieux. Sac de déchets. Bon, ça on peut trouver des choses. Et là derrière ces portes-là, ça va être plus complexe tout de suite. Bon. Pas d'ennemis apparents extrêmement rapides. Une lampe torche. Ce qui est pas mal. C'est moins, ça attire moins les zombies en fait. En tout cas, ils attaquent les... ils attaquent les portes à l'infini là. Je les ai excités. C'est un peu leur vie de la violence là. Et d'ailleurs, ça, d'accord, ça mène au trou, ça. Ok, je vois. On avance doucement. Dans le but... de buter ces enfoirés avant qu'ils ne se rendent compte qu'on soit là. Il y a un trou au-dessus, donc faire attention. Et d'accord, ça donne sur ma baraque, ça. C'est pas mal. C'est en soi plutôt une bonne chose. Cafetière, rien dedans. Putain, c'est la zermie. Ce bâtiment, c'est un peu la zermie, hein, il faut l'avouer. Du scotch par contre, ça c'est pas la zermie du tout. Ça c'est grosse non-zermie. Mais c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre des cadeaux que nous fait le bon Dieu. Et toutes ces portes là en bas menaient à des choses qui finalement étaient somme toute peu intéressantes. Hein. Je pense avoir fait le tour de ce bâtiment. Hein. Meuble tableau. Quel tableau? Il y avait un tableau? Je ne l'ai pas vu. Dans le tableau dans la cuisine. Il y a un tableau là, je l'ai pété. Il y a des zombards qui t'attaquent à sec. Hein. Ouh, ça touche ça. Ça touche. En tout cas, c'est bien parce que son Pathfinding lui dit que c'est le chemin le plus rapide pour m'atteindre. Donc ça veut dire qu'il est débilus, mais... Merde. Voilà. Zombie qui est dehors et qui est débilus, d'accord. Ok. Ça, on le démonte parce que ça donne du cuir, c'est gratuit.
Ouh, je regrette rien. Eux, ils s'énervent, mais laissez-les s'exciter. Un loup. Merde. Ce loup est un danger public. Ce loup là-bas est un danger public, les enfants. Pas s'attarder. Ok. Ouh. Ouh, Péléa. Je pourrais tenter d'aller l'attaquer, hein. Mais à part ça me montre toujours où elle est. Il revient. Allez, c'est ça. C'est ça, vas-y, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, tu paniques, tu paniques. Et puis quand t'as fini de paniquer, tu me recharges. Voilà. T'as bientôt fini de paniquer, là. La Bamos à Péléar. Et Bamos. Je vous cache pas que... Ouf. Je vous cache pas que... Petite panique. Hein. Les loups, je suis pas à l'aise. Hein. Là, on monte. On respire un coup. On monte, on monte, on monte, on monte. Alors, virons la pelle, ça ne sert à rien. Stockons, 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 bande de cons. Voilà. L'alcool, il va là. La scie, il va là. La chaise, on la détruit. Ça, ça retourne là-dedans. Ça, on le détruit. Ça, on le pose. Ça, on le pose, ça, on le pose, ça, on le pose, ça, on le pose, ça, on le pose. On range, on pose, on pose. Et encore ça, on garde parce que c'est important. Ça, on le pose. D'ailleurs, on en boit un coup. Ouh, on se met bien, là. On se met frais. Ça, on pose, ça, on garde. Ça, on range. Ça, on met. Voilà. Passage, on fait de l'espace, on prend l'essence. On la met sur le feu, histoire de se mettre bien. Et éventuellement la torche, on la pose aussi parce que on a maintenant la lampe torche. Je l'ai toujours à la main, c'est ça. On a tous les outils du monde. Which is fine. Ok. On en profite pour faire plus de flèches. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux. On répare tout. Vamos a pelear! Et bon. Ok, donc, quel. Ce poulet. Quel bâtiment explorons-nous ensuite? Cette usine, peut-être.
Là, il y a un château d'eau, on va faire les deux. Je démonte la voiture. Ah là, oui, c'est vrai qu'il y a des pots avec de l'eau. Très bien. Pas de rien. Rien du tout. Très bien. Tout va bien. Pour l'amour du Christ en velours. Ça a l'air d'être le seul de son espèce dans le coin. Du laiton, ça on prend. Ça c'est du verre, on le jette. Chariot à roulettes. On prend. Poubelle, on prend. Un vieux sandwich, c'est le meilleur moyen de se donner la chiasse. Des grains de café, du bois. Des chaussures, et ça par contre, c'est bien. Et du vrai argent, on peut prendre. Ça monte à l'étage, sans doute avec des belles saloperies qui y habitent. Chaises de gérant, on les prend. Là, ça ne mène à rien. Là, il y a des vivres. Juste des bouteilles d'eau. Tu vois, quand t'es au début de l'aventure, tout ce que tu trouves, c'est de la merde. Les Gatling, c'est pas pour tout de suite. Hein. Un peu de plomb. Pile d'ordures. Rien du tout. D'ailleurs, les trois chaises de bureau, on les transforme en 18 cuirs, ce qui est somme toute juteux. C'est là la suite du Schmilblick. J'entends bien. J'entends bien. Ouh, un manuel. Les loups, plus de dégâts au supplémentaire aux loups. Très bien ça. Fontaine à eau. Rien du tout. Petite corbeille, rien du tout. Pas de zombies, j'aurais cru. Et là, on peut monter, ok. Chariot industriel. Du laiton. Ça ne mène à rien. De la colle et du rien du tout. Une chaise qu'on va reconvertir en cuir. Pile de merde. Ça, on le transforme en laiton. Professeur laiton, bien sûr. On monte à l'étage supérieur alors qu'il n'y a rien du tout. Ouh ! Regardez. Des choses. Transforme la vieille chaise en merde. De la nourriture moyen. Ouh ! Oui ! Miam, miam, madame le juge. Là, il y a un sac aussi. Et encore, il y a des choses là en haut, regardez. Oh, très bien. Petite pression. Oups.
Voilà. Une boîte de cham, 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 chamois d'or. Du papier, du cham et de la tarte aux myrtilles. Et ça, c'est priceless. Médoc. Ouh, pas mal. Il ne s'agit pas de se péter une jambe. Ça, c'est pour le fun. Ça tient, très bien. Gros travail de Fumtar. Plumes d'oiseaux, c'est 18 flèches. Une chaise de caserne avec un truc pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Thé de gerbe d'or et beaucoup vide. Ouh, bébé. Une machine dont j'ignore le fonctionnement réel. Et pour être sincère, je me bats les couilles. Ouh. Caisse d'armes intacte. Qu'est-ce que c'est que ça? 15% supplémentaire de dégâts à la pierre. Intéressant. Et arc primitif. Il est de meilleure qualité de ce que je possède. Donc allons-y. Ça, on va le prendre et on va le garder pour une pioche. Ouais, je joue avec le feu là un peu. Rassurez-vous, je m'en rends compte. Somme toute, pas un bâtiment très bien gardé, mais... Pourtant riche en ressources. C'est pas non plus le top must, mais... À mon avis, j'ai encore le temps de fouiller, hein. Peut-être ce cargo, là. Quelque chose sur le grill là? Rien du tout, juste de la ferraille nulle. Très bien, dans cette benne rien du tout. Et là-dedans. Ça c'est quoi ça? Du ciment? Ouais, c'est du ciment. Un sac à main intact. De l'argent et du truc de sang. Et un truc de working stiff. Juteux. De la merde, mais ça c'est bien. D'ailleurs, ça me permet de réparer ça. Ça me coûte ma boîte, mais au moins ça la répare. Et ça fonctionne, voilà. Je suis surchargé, c'est parce que j'ai pas mangé la tarte aux myrtilles, mon gars. Et la tarte aux myrtilles, ça nous met bien. Par contre, je suis pas bien nourri. Cette arme me gêne. Là-bas, deux zombies. Ok. Gros sac de sport en plein milieu de la route. Un pot. Est-ce que je devrais déjà commencer à revenir? Le problème, c'est tant que j'ai pas de massue, de vraie massue, j'entends. Des trucs avec lesquels je peux molester mes adversaires, tu vois. Fouille la berlingot. Par contre, ça les a un petit peu attirés, mais c'est pas grave. Je vais détruire ce radiateur, ce qui me fait de la place. Et puis à partir de là... Vamos a pelear! Ouh, il a raté ça par contre. Big miss. Oh, big miss aussi. Ça a touché la chatte. The Rock qui recule. Je suis fan de vos films, monsieur. Voilà, très bien. Personne d'autre n'a été attiré par cette commotion. Ce qui m'arrange. Il est 19h, il me reste 3 heures pour rentrer à la base avant que la situation ne dégénérasse.
profite pour détruire les bagnoles. J'en fous. C'est de l'acier. Ça c'est de la merde. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Une place dans ma file à recyclage, très bien. Qu'est-ce qui te met du temps à recycler? 1 minute 40 de ça, ok. De la glu. Oh, une batterie de voiture, par contre, j'ai récupéré. Ça, c'est fort. Ça, c'est juste des cailloux de concassage. Grosse fortif. Et tout est fermé, donc il faut trouver un autre point d'entrée qui est sans doute par là. Deux tuyaux, ça par contre c'est très juteux. Et c'est quoi ça? Un moteur. Pouah, j'ai trouvé des choses, mon gars. Papier, je le jette. Poudre à canon, je la jette. Pour l'instant, on boit du jus de la salse pareil. Parce que pour l'instant, on flippe un peu de voir des monstres et tout ceci, mais en vérité, ils sont prenables. Hein. Même de nuit. Hein. Et au pire, si on fire un peu trop, on se planque, on s'accroupit. Et on attend que ça se passe. Hein. C'est de l'eau. Oh! Kali, une hache en pierre level 3. Je me demande où est-ce que ça mène. Hein. Je pourrais peut-être y aller, mais je m'y sens pas. Et bien sûr, elle se réveille, elle. On va jouer d'agression. Cette fortif qui ne paye pas de mine. Combien? Deux. Hein. Et d'un. Et de deux. Je sais qu'il y en a un troisième. Oh! Sprinter en écran accoupi ne coûte plus d'endurance. Très bien ça. Poubelle. Chaise de bureau que l'on va démonter. Chaise de bureau que l'on va démonter. Parodicose 2 uploadé, très bien. Ha ha ha!
Ça l'a tué. Gros parcours. Pour un pot. C'est souvent le cas. C'est bientôt la noche. La noche des muere. Vos attaques puissantes sprintées ont une chance élevée de renverser votre adversaire. Très bien ça. En plus j'attire attention sur moi en pétant des trucs donc... Oh, 7 crochets, grosse valeur ça. Grosse valeur, grosse valeur. Restons hydratés. Soups. Eh bien. C'est de rester hydraté. Ça en fait une. Ça en fait deux. Ouh. C'est très sombre, non? Oui, c'est la nuit. En tout cas, ça c'est fait. Bonus du butin, réduction de rayon pour creuser. Porte-les. Voir la gueule que j'ai là. Oh là là, le futur. Ou le béret. Font quoi mes bottes actuelles là? Résistance au froid et à la chaleur. Bon bah, porte-les. On recycle ça. Le chapeau cow-boy. Recyclage. Oh la chemise, ça par contre, on la met. Ouais. Casque américain, j'en ai déjà un. Allez, un flingue dans les chiottes. Oh, des bouteilles de pisse. Jeu qui essaie de me mettre la pression. La pression. Ah.
connais pas le terrain derrière moi, donc en fait, je suis pas bien. Je suis pas bien, voilà, ce sera beaucoup plus facile de se battre là. Donc là, voilà, je peux le contourner. Très bien. Voilà, somme toute, on peut s'arrêter ici pendant un instant. Respirer, reprendre notre souffle. 3 points de compétence à dépenser. Comment allons-nous faire? Opération récupération. Fabrication des clés à mauvaise. Pas envie de faire des lances en fait, j'ai envie de passer à la masse. La masse c'est bien. La masse c'est la vie, putain. C'est pour la fabrication des masses en fer, mais j'ai pas le niveau. Il faut force combien? Force niveau 3. On pourrait mettre 2 points, hein. Ça augmenterait déjà la taille de mon inventaire. Allez. Voilà. Mamie, lol. Ça fait des super outils, donc ça c'est cool. J'aime pas ça, ça consomme trop la stamina à la masse. Ouais, mais ça one kill quoi. Ça one shot et je suis pas confiant, ça pourrait me tomber par-dessus de nulle part. Grosse porte, hein. Ils ont pété plein de trucs. Hein. Ou la manne divine. Oh la manne céleste. Très bien, ils vont bientôt m'oublier de toute façon. Voilà. C'est des zombies, ils sont débilus donc ils vont m'oublier. Donc faisons-nous confiance. Je sais pas où est-ce qu'on voit ma soif et ma faim. Santé, endurance, eau 103, nourriture 95. Bon, je suis bien là. Je suis bien là. Des antidouleurs, des poches de sang, l'amélioration pour la hache. L'amélioration pour la hache, batterie de voiture, outil de crochetage, j'ai un peu de boîte, je peux manger. C'est pas beaucoup de nourriture, donc prenons-le. Hein. Voilà. Ça nous met bien. De l'huile, du bois, du fer, rangeons tout ceci, 32. Ça, je peux le jeter. Ouais, parce que cette masse en bois, c'est de la merde. De la merde, monsieur le juge.
Ah, des cocktails Molotov, though. En cas de panique, ça peut sauver. Hein. Tromblon. Hey. Bon, après, j'ai pas de quoi faire les munitions, n'est-ce pas? Munitions de tromblon. Et de la poudre à canon et du papier. Alors. J'aurais pu en faire à la maison. Hein. J'aurais pu en faire à la maison. Comme il pète des trucs de plus en plus. Oh, je peux faire un plastron recyclé. Fais voir. Ça marche combien, ça? Bonne protection contre les dégâts. Armure lourde. Armure légère. Ah, un tas de choses que je peux faire, en fait. Hein. Bandage, ça, c'est toujours bien d'en avoir au moins un à dispo. Que tu te mettes à saigner avant que ta vie se barre, quoi. Bicyclette, je peux faire ça, tiens. Putain, cette manne céleste, regardez ça. Pouah. Ça a fait envie. Hein. Craft une grosse masse en pierre à deux mains, c'est de la merde. Par contre, si j'arrive à ouvrir le passage, là, ça fait envie. Hein. Malheureusement, il y en a pour 800 hits. T'as ça galope. Tu les entends cavaler dans l'herbe. Vitre strong. Mais on reste frais, hein. On reste frais. Tiens. Ils me cherchent, hein. Ils me cherchent, hein. Ils savent que je suis là. Moi, je reste frais, je reste hydraté, hein. En hydratation d'ailleurs. Mec, il est détendu, il mange son thon. Hein. Petite boîte de thon, fraîche. Hein. 4 places, 5 places d'inventaire. Combien j'ai de points? 1 point. J'ai de quoi bourrer un peu plus la place ou pas du tout? Bon. Bombe sexuelle, ça c'est pour les attaques puissantes, ça sera ouf. Combien il faut? Force niveau 4. Ouais, tant pis. Encore 10 grosses secondes et il devrait se calmer. Ce qui me permet normalement d'y aller et de commencer à mettre des gifles, si tu veux. Contre cette porte là. Voilà, vous voyez, il faisait peur, mais en fait, c'était que de la merde. Péléa! Net, je suis plutôt fier de moi.
avant d'avancer plus avant, maintenant qu'on a enfin la journée et que la journée est devant nous. Oh la pioche! Ça c'est une value les enfants, vous imaginez même pas. Et ça, du moteur et de l'acier aussi, c'est complètement fou. Des plumes et plus de merde, des ordures. D'accord, je peux taper dessus. Ok, alors, on va buter une losse en pierre pour faire de la place. Mettre la pioche, clé molette, bandage, on l'utilise après tout. Inutilisable pour le moment, je le jette, très bien. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Du papier, ce que je peux jeter. Très bien. Ok. La pioche, par contre... Ils ont tué un lapin. Ça touche. Ça tue. Ils sont en train de péter les portes, mais faut pas paniquer. Jamais. On a le droit d'avoir peur, mais pas de paniquer. C'est sensiblement deux choses très différentes. Voilà, par exemple... Panique pas. Il a l'air d'avoir des pièges de partout ici. Alors j'ignore à quel... Ouh, un mec serveur. Je veux dire à quel point je suis enfermé et à quel point ils vont pouvoir remonter et venir me casser les couilles, mais... C'est des mines, ça? Ouais, ça ressemble à des mines, hein. La gueule. Des balles. Grosse value. Hein. Ça, je peux le jeter. Ça servira pas encore. Ça aussi, hein, ultimement. Mais bon, on va le garder, on sait jamais. Ça, antidouleur. L'endroit est immense. Hein. Fil, je le prends, mais c'est vraiment par politesse. Et c'est du stuff, eh. Intéressant. Des balles, pas d'armes pour l'instant, mais des balles.
Deux moteurs. Est-ce que j'ai besoin d'autant de moteurs? En tout cas, j'ai pas besoin de ce tissu, ça c'est sûr. Quoique. La création de quelques cocktails Molotov de mon cru pourrait être salvateur. Ça, c'est des faux bruits, c'est pour tenter de me faire peur, ça, monsieur le juge, mais ça ne marche pas. Ils sont en train de détruire le décor. Hein. Ils sont en train de tout détruire. Hein. Moi qui voulais jouer pépère. Ouh. Respire, tu travailles bien pour l'instant. Tu travailles bien, digère, regarde, bois de l'eau. Reste frais. Ah, ils se déchirent les onzons, hein. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Hein. On prend la colle, les antidouleurs, j'en ai abandonné derrière moi, mais je peux les récupérer aussi. La vieille chaise, elle servira à transformer en bois, c'est bien. Sac à dos de ses morts. Du nitrate de potassium et une converseuse conserve-vie. Le nitrate, c'est bien, mais j'en ai pas besoin à proprement parler maintenant. Ils sont en train de tout raser, quoi. Des balles, encore. Ah, putain! Bien joué. Tout va bien. Et là, il y en a un aussi. Il m'a eu par derrière, la chiennasse. Je panique pas. Ma vie est encore assez haute. Ça fait du bruit, mais ça triche. Hein. D'accord, il y en a deux. Là, ça en fait un, ce qui fait que lui, il est gérable. Il est gérable. Gérable et il est d'ailleurs géré et on est devant la boîte avec tout le loot de l'infini d'ailleurs. Hein. Je sais pas bien comment je vais m'en sortir mais on va trouver des solutions. Ouh la grosse.
trucs là, les esquives qui vont bien. Hop là, les esquives qui vont bien. Et d'un, enfin. Toi, on peut t'avoir à l'endurance. Hop là, on s'esquivant bien. Hop là, on se met bien dans ton dos. Et on t'achève. Où sont mes cocktails Molotov? J'ai comme la sincère impression que je vais en avoir grand besoin. Et ce, somme toute, plutôt que prévu. Semaine a de la flotte en dessous, donc ça c'était rend le petit piège pour t'insulter en plus derrière. Alors, tas de nourriture, grand et intact. Ouh, du boîte de saumon et de l'eau. Passe en gas, fermé. Porte déverrouillée, j'espère que ça mène à une sortie. Grand sachet de munitions intact. Des flèches en fer, flèches en pierre, des balles. Modification de connecteur étouffé avancé, on prend. On prend tout, basiquement. On réfléchira après aux conséquences de nos actions. Conséquences de nos actions étant pas claires pour l'instant. On peut les faire à même de hasardeuses. On va jeter les pilules antidouleurs. On va jeter l'argent. On a réussi à reprendre contrôle sur la situation. Alors, allez. Ah, d'accord. Ah, bah oui, ah, bah oui. Ah, bah là, mon grand, par contre, tu vas prendre un certain temps, hein, je te préviens. Ça va pas se passer exactement comme tu l'aurais voulu. Pareil pour vous, ça risque d'être un processus. Hein. Je sais que vous êtes dans la flotte, vous êtes dans le mal. Mais avant de pouvoir m'atteindre. Oh oui, ah, bah oui. Ah, bah oui, je comprends. Je comprends que ça vous vexe. Alors. De l'alcool de crin et de la poudre à canon, ça c'est toujours bien. Ils sont trois, mais mon dieu, toute cette population. Des pièces de masse en acier, une batterie de voiture. Mais elle est de mauvaise qualité, ça. Et des pièces de masse en acier, putain, ça fait envie. Ça fait envie, on va la prendre. Si jamais on peut apprendre à en construire une. Parce que j'avoue que ça simplifierait quand même gravement mes choses. Pelle en pierre, on s'en fout. Ça, c'est un coffre qui est verrouillé. Mais on va essayer de crocheter le verrou. Ça prend du temps, on a des chances de rater. Voilà, on a raté. On a raté. Oh là ! Voyons à tout ce qu'on a. Un arc de meilleure qualité de ce que je possède. Une capuche rembourrée avec de l'endurance et plus de mobilité. On va la porter directement et ça, on va le recycler. Plus de place dans la file de recyclage, très bien. Ça, on prend tout, 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 ça, on recycle, mais il n'y a pas ça. Bombe tuyau. Bah, c'est fou, ça. Modification de poignée. J'ai rien qui peut prendre cette amélioration de sac. C'est dommage parce qu'elle m'aurait été vachement utile là tout de suite. J'ai beaucoup d'items et rien que je ne souhaite abandonner très sincèrement, notamment les munitions de tromblon. Je peux manger la conserve de saumon par contre, qui somme toute est assez fraîche. Et à quel point je suis encombré? Ah, je suis quand même encombré de 4. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Gros encombrement, monsieur.